Quel est votre prénom ? Françoise. Quel âge avez-vous ? 65 ans. Quel métier pratiquez-vous ? Alors, je ne pratique plus mon métier parce que je me suis lancée dans la politique et donc je suis au service de la commune. Depuis quand êtes-vous entrée en politique ? Je suis rentrée en politique en 1995, conseil municipal. Qu'aimez-vous en politique ? Ce que j'aime en politique, c'est la rencontre avec l'autre. C'est les projets, c'est l'aide au quotidien pour les habitants de ma commune. Si vous étiez de l'autre sexe, pensez-vous que ce serait plus facile de faire de la politique ? Alors, c'est une bonne question. Je pense que la politique, que l'on soit homme ou femme, ce qui est important, c'est de montrer ses capacités à gérer, ses capacités à défendre ses idées. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça tend à être un peu plus facile d'être une femme en politique, mais il reste encore néanmoins un chemin à parcourir pour que les hommes reconnaissent les femmes et les hommes de manière égalitaire dans la politique. Avez-vous une anecdote à nous partager ? Alors oui, j'ai eu un très grand plaisir. Dans mon premier mandat, j'étais chargée des affaires scolaires et j'ai mis en place la remise des dictionnaires à tous les élèves de CM2. Et pour moi, c'était vraiment une très grande joie de récompenser aussi les enfants et de les accompagner vers le changement, vers la sixième, une page qui se tourne. Voilà. Et c'était un très très bon souvenir pour cette première fois. Considérez-vous que vos collègues du sexe opposé vous traitent différemment ? Oui, ça arrive parfois. Et c'est vrai qu'il faut avant tout démontrer ce dont on est capable. Et encore davantage que les hommes. Mais bon, ça tend quand même à diminuer cette opposition homme-femme, qualité. Je pense qu'on est quand même sur un bon chemin. Si une femme souhaite se lancer en politique mais n'ose pas, que lui diriez-vous ? Je lui dirais en premier, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne se lance pas en politique. C'est avant tout les convictions, que ce soit un homme ou une femme, ce sont les convictions qui sont importantes, les idées et ce que l'on veut faire, et ses capacités aussi. La capacité aussi d'aimer les gens, car on ne peut pas faire une vie politique sans aimer ses concitoyens, les respecter. Donc c'est ces qualités-là dont on a besoin, et que l'on soit homme ou femme. Pour moi, il n'y a pas à se poser de questions à ce sujet. Madame le maire, avez-vous aimé participer à ce projet ? Oui, bien sûr. J'ai toujours grand plaisir à venir partager ces moments avec vous. Surtout, là, on parle d'égalité femmes-hommes. Donc, c'est important pour l'avenir. Et c'est important aussi pour l'éducation. Et être ensemble, côte à côte.